Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je remercie déjà les organisateurs de m'avoir invité pour cette présentation. Voilà, donc je vais essayer de rattraper un petit peu le retard et de finir à peu près dans les temps. Alors, j'ai appelé cette intervention « Quand l'armée s'en va » pour reprendre un vieil article, un des tout premiers articles d'ailleurs que j'ai écrit, où l'armée effectivement quittait les territoires à un moment particulier qui est la réforme des années 2000-2010, qui a amené finalement une véritable crise structurelle dans certains territoires qui vivaient finalement largement la présence de l'armée, et ce depuis des décennies, voire des siècles, et qui d'un seul coup se sont retrouvés sans cette manne financière que représentait l'armée. C'était donc toute une remise en cause à la fois des territoires, de modèles de fonctionnement, d'organisation de l'espace, à savoir les villes de garnison, des métropoles militaires, des territoires de défense. Il faut se rendre compte qu'à l'échelle de l'Europe, finalement, tout le monde a remis en cause, finalement, ces modèles qu'on a construits pendant pratiquement 200 ans. Alors, c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous présenter ici, avec, finalement, quelques études de cas, un petit peu de conceptualisation au départ. Alors, l'organisation de la démarche, de mon argumentaire, va se faire en trois grands points. Les territoires de défense, donc un objet complexe et multiscalaire. Essayez quand même de conceptualiser un petit peu tout ça. La démilitarisation, donc un processus massif de déménagement du territoire. Et enfin, les territoires en transition. Donc, essayez d'observer un petit peu tout ça et puis vous donner quelques pistes, bien entendu, pour pouvoir construire, étayer des cours et puis du vocabulaire, là aussi, qui permettra d'illustrer un petit peu tout ça. Donc, j'ai essayé d'organiser les choses avec une double couleur, en vert, finalement, l'exposé, en jaune, plutôt, ce qui relève des définitions et de la conceptualisation. Alors, j'ai essayé de tenir le code couleur, je ne suis pas sûr d'avoir réussi tout le temps, mais voilà. Comme toujours, il y a toujours quelque chose qui échappe. Donc normalement, comme les PowerPoints sont mis à disposition, alors vous allez voir les premières diapos, il y a beaucoup de textes, mais parce que c'est des éléments de définition. Donc qu'est-ce qu'un territoire de défense? Alors, territoire de défense, c'est un objet complexe, multiscalaire. Ici, je vous présente une situation, on va dire, géohistorique, qui est celle de l'Alsace-Moselle. On est là sur un territoire de défense, c'est-à-dire un territoire qui a été aménagé entre 1871 et 1914 par donc une puissance occupante qui a annexé donc ces territoires, l'Allemagne, et qui a organisé cet espace à la fois en territoire donc, protégé avec des pôles fortifiés, Thionville, Metz, Strasbourg, le fort de Mutzig. Pour la petite histoire, ça y est, le fort de Mutzig va être vendu par l'armée. Donc c'est tout récent, donc ce qui prouve quand même qu'il y a une forme de résilience de ces infrastructures dans le temps. Et puis toute une série de villes de garnison, donc des déploiements militaires qui sont destinés à la bataille. C'est-à-dire qu'effectivement entre le pôle Messin et le pôle de Strasbourg, cet espace est dédié à la bataille. Et vous le savez, dans le cadre de la Première Guerre mondiale, ce sont les deux premières batailles des frontières, celle de Sarrebourg et celle de Morhange. Ces villes de garnison sont restées dans leur jus, on va dire, jusqu'à la phase de démilitarisation, c'est-à-dire 2008-2009, où finalement des villes vivaient de la présence de l'armée. Il faut se rendre compte qu'une ville comme Morhange, c'est 6000 habitants et on avait pratiquement 1500 militaires. Sarrebourg, 15000 habitants, on est monté à l'époque allemande à 10000 militaires, ce qui est énorme. Mais sur la période de 1945 à aujourd'hui, on est monté jusqu'à 5000 militaires. Aujourd'hui, il reste un régiment. Donc ce sont des villes qui vivaient de cette présence de l'armée. C'est pour ça qu'on peut parler finalement de ville de garnison, donc une ville ou une localité où sont stationnées de manière permanente des unités militaires, avec des quartiers de casernes, des entrepôts, etc., etc. Et toutes les infrastructures directes, toute la ville finalement, est organisée sur le rythme de vie de l'armée, y compris lorsqu'elle part aujourd'hui en OPEX. Quand vous êtes dans un collège
où effectivement vous avez un régiment qui part en OPEX, vous savez que les papas et les mamans partent et que les gamins restent. Et vous le sentez. C'est moi qui vous le dis. Alors effectivement, un territoire de défense, c'est quoi? Alors, je vais aller très très vite, hein. Un territoire de défense, eh bien, c'est une zone où se concentrent ou à concentrer les infrastructures, les activités militaires. On peut avoir des caractéristiques spécifiques, géographiques et environnementales, foncières et d'aménagement, sociales et économiques, et des enjeux environnementaux et de développement durable. Je vous laisserai, lorsque vous pourrez accéder au PowerPoint, entrer un petit peu dans ces détails. Alors, ça, c'est une approche très, très concrète, très, un peu militaire d'ailleurs, hein. Si on le réfléchit au niveau sur un temps long, et ça c'est un peu le produit des réflexions qu'on a pu avoir sur Nancy, puisqu'on est plusieurs quand même à travailler sur ces questions de défense, voilà, on a essayé de conceptualiser un petit peu le territoire de défense, et finalement on l'a mis sous six dimensions. La présence, c'est-à-dire qu'effectivement on a une présence militaire, elle peut être permanente ou temporaire, pour un camp militaire, bah, c'est une présence temporaire. L'influence, on est là sur une situation où la présence, l'action de l'armée a un impact significatif sur les relations sociales, économiques. L'organisation, la structure même, là on entre finalement dans le modèle de la ville de garnison. Les héritages, hein, ou l'héritage, qui fait finalement, qui renvoie, même après la démilitarisation, au fait que, voilà, il y a tout un récit qui s'est construit. Et pour ça, je peux toujours illustrer les choses avec une petite étude, enfin un petit ouvrage qui est resté une référence. Le Tour de France par deux enfants qui évoque la ville de Phalsbourg qui a été en partie démilitarisée après 1871 et on est encore à Phalsbourg dans ce mythe, hein, de l'héritage militaire alors que il y a bien une base aérienne mais elle est construite un peu plus loin et il n'y a plus de lien réel entre Phalsbourg et sa base militaire. Les zones de conflit, bah oui, effectivement, elle reste dans une logique, soit parce que dans les déploiements militaires, on a imaginé des zones de conflit. Et on y reviendra tout à l'heure. L'occupation militaire, je l'ai évoqué finalement aussi avec ma période de l'annexion sur l'Alsace-Moselle. Alors l'ensemble de ces six dimensions constitue une sorte de grammaire du territoire qui se retrouve dans les paysages. Alors je suis un géographe, je suis géohistorien, je suis spécialiste, enfin j'entre dans les études par le biais des paysages, donc on va avoir pas mal de paysages. Alors, il peut exister dans tout ça ben, un effet redondant, des répétitions qui sont liées donc à la polytemporalité des lieux de l'armée, c'est-à-dire que l'armée accumule par époque des infrastructures. Et finalement, une fortification Vauban, ben, elle peut rester opératoire pendant très très longtemps, hein, et je vous montrerai avec la citadelle de Beach, elle est restée fonctionnelle jusqu'en 1979, date à laquelle l'armée a dit « stop, j'arrête ». Il faut se rendre compte, c'est une fortification 18e qui n'a aucune valeur aujourd'hui. Alors, un territoire de défense, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, ça se présente à différentes échelles et à différentes lectures. Ici, je vous emmène en Suède, histoire de quitter un peu la Lorraine. Voilà, depuis 1808, la Suède a construit son territoire de défense sur une menace qui se révèle à nouveau. Les Russes arrivent. Donc, par l'analyse du territoire, on avait finalement eh bien, trois entrées possibles des Russes sur le territoire suédois. Une première donc, autour de la capitale, Stockholm. Donc on a au départ pensé à évacuer la capitale. Donc on a créé une capitale de secours, Karlsborg, qu'on a fortifiée péniblement jusqu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est une sorte de musée de la fortification. La région du Nord, le Nordland, donc contact finalement avec la Finlande qui à l'époque est russe et avec la place forte de Boden, merci Nobel et ses bâtons dynamiques puisque c'est une fortification très impressionnante creusée dans la montagne grâce effectivement à la dynamite. Et puis sur la partie médiane, sur un des tronçons les plus faibles à traverser. Donc un secteur donc qui risquait de couper la Suède en deux. Donc on a fortifié tout cet espace, on a créé des lignes Maginot, hein, aussi simple que ce soit, la ligne de l'Ascanie au sud, hein, pour, à destination des Détroits, mais c'était un secteur secondaire de défense. Et puis, bah, regardez tout autour de Stockholm, par étapes, et jusqu'à la fin de la guerre froide, eh bien, on avait ces systèmes
la ligne dite des hauts fonds qui servait à protéger finalement la capitale, avec des systèmes qui ont été vendus pour certains et qui aujourd'hui sont rachetés. Parce qu'il faut fortifier Stockholm. Je vous rappelle qu'on a cru voir un sous-marin russe entrer dans l'archipel de Stockholm. Et donc il faut absolument refortifier tout ça. Et donc on a réactivé pour l'instant la base navale de Muskö, donc qui est une base navale souterraine, hein, qui est, finalement relève aujourd'hui bien d'une reconstruction d'un territoire de défense. Voilà, donc là on est à échelle nationale. À échelle régionale, bah, il suffit de regarder notre déploiement des forces françaises en Allemagne. Voilà, on avait donc jusqu'à 60 000 hommes placés donc au sein des Länder allemands, pratiquement donc 73 villes de garnison, c'est énorme. Donc tout ça a disparu. Après 99, hein, aujourd'hui, il n'y a plus de forces françaises en Allemagne, c'est terminé. Donc on a procédé eh bien, finalement à une démilitarisation, donc ça c'est le premier processus, hein, la réduction de la présence militaire, un déménagement du territoire, le processus de restructuration donc, qui désigne le déplacement ou la fermeture d'une partie, ou de la totalité finalement des activités, et puis un désaménagement, alors ça c'est l'étape ultime, c'est-à-dire qu'on entre dans un processus de neutralisation. Alors ça, c'est très rare, mais ça arrive et on y viendra donc en cours de route. Si je change encore d'échelle, eh bien, on peut prendre le territoire de Briançon. Hein, donc on retrouve là notre polytemporalité, puisqu'on est passé finalement des fortifications Vauban, puis aux extensions avec des forts détachés, jusqu'à finalement, eh bien, les territoires de montagne les plus hauts hein, qui ont été militarisés, donc ici avec le fort du Gondran, donc on surveille le Mont Genève et en face donc le mur alpin italien. Donc tous ces aménagements, là où on parlait des aménagements du territoire, et finalement on a tout laissé. Alors ça se dégrade, hein, on entre dans des formes d'enruinement de ces infrastructures, parce que finalement eh bien, elles sont laissées en l'état. Donc ça aussi, c'est une question dans la transition. Comment, finalement, eh bien, on va pouvoir traiter ces espaces où l'armée, finalement, a dit, c'est obsolète. Ça veut dire que pour moi, j'en ai plus d'usage. C'est ça ce que ça veut dire, hein, l'obsolescence pour l'armée. L'armée est apatrimoniale. Hein. À partir du moment où ça ne l'intéresse plus, elle restitue au domaine civil, ou elle essaye de trouver à restituer au domaine civil. Et généralement, le domaine civil est assez preneurs, parce que eux sont dans un imaginaire, ça fait partie de leur paysage, ça fait partie finalement de leur espace, de leur mode de vie, donc ils sont dans cette idée de récupérer ce qui faisait leur force et leur spécificité. Voilà. Alors, la démilitarisation, c'est un processus massif de déménagement du territoire, hein, effectivement, nous avons connu, là ici c'est la carte de la dernière restructuration, eh bien ces grands déménagements du territoire. Et on voit que certaines régions ont été beaucoup plus impactées que d'autres, mais ça se comprend aussi. Alors, les forces françaises dans l'Allemagne, vous avez compris, en gros, la trouée de Fulda n'avait plus d'intérêt. Hein, le haut lieu stratégique dans lequel on devait engouffrer les forces françaises pour essayer d'enrayer une progression du bloc du pacte de Varsovie, ça c'est terminé. Mais de la même façon, les grands déploiements du Nord et de l'Est n'ont plus de raison d'être. Enfin, les Allemands, qui a peur du contraire, ne risquent pas de nous envahir. Et de toute façon, ces déploiements correspondaient non plus à une première ligne de défense, hein, puisqu'il y avait des forces françaises en Allemagne, c'était notre première ligne, c'était la force de relève. Donc concrètement, elle-même n'avait plus de raison d'être. Hein. Donc résultat, si je prends tout ça, une ville comme Metz qui défendait l'État, aujourd'hui, elle ne défend plus rien, parce qu'on est passé d'une ville qui avait jusqu'à 80 officiers généraux, soit en 2S, soit actifs. Aujourd'hui, alors, l'armée de terre, vous dira, ils sont plus que deux. Ils sont très chauvins. Ils sont quatre officiers généraux. Il n'y a plus de retraités, ils ont terminé, ils sont plus là. Ils sont partis. Il n'y a plus de lien, finalement, entre la ville et cette strate supérieure qui constituait une élite sociale. Donc, effectivement, on a ces abandons de villes de garnison, hein, par étape. Mais aussi énormément d'infrastructures qui dépendaient finalement de l'armée, des casernements d'entraînement, des camps de sûreté, etc. Donc tout un héritage
Et un héritage, vous savez, c'est complexe, hein. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, vous pouvez refuser, vous pouvez négliger, vous pouvez le valoriser, c'est une ressource. Et puis, vous pouvez le porter au nu en le patrimonialisant, hein, dans une démarche, on va dire, plutôt particulière. Alors ici, je vous ai mis une petite photo. Vous voyez qu'on a un petit marqueur mémoriel avec une plaque dédiée effectivement à la présence de l'armée. Vous voyez que derrière, le casernement d'altitude, il est très mal en point. Je vous ai pris le plus beau, hein, celui qui a encore une toiture. Globalement, ça sert aujourd'hui aux bergers. Hein. Alors, ça concerne tous les pays. Il ne faut pas s'imaginer que c'est propre à la France. Je vous ai pris ici l'Italie. Voilà le modèle d'armée, de modèle de déploiement tel qu'il existait donc avant la guerre froide, avant la fin de la guerre froide. Donc l'Italie, même chose, hein, trois gros corps d'armée dédiés à recevoir le choc. Donc le premier, le corps alpin, où on s'attend à 80% de pertes quand même, hein, en 8 jours. Donc c'est énorme. Le cinquième corps, qui est le plus gros, hein, basé donc en région donc Vénétie-Julienne, pardon. Donc c'est lui qui doit encaisser aussi le choc. Et puis le troisième corps, qui est plutôt en réserve, qui doit revenir. Hein, c'est en gros la même situation que Metz. Une articulation entre deux grosses villes, Udine. C'est l'équivalent de Metz, hein, c'est la même même poids entre guillemets de déploiement militaire, et Vérone qui abrite cette fois-ci les états-majors et qui coordonne finalement le troisième corps. L'après-reconversion, bah, vous voyez que finalement une région comme la Lombardie, il n'y a plus rien du tout. La Vénétie reste vraiment quelques petites brigades côté des éléments présents. Bon, on n'a pas réussi à alléger complètement Frioul, Vénétie, Julienne pour des raisons de géopolitique locale, et donc une redistribution des effectifs à échelle de l'ensemble de la botte italienne. Alors, on va essayer d'entrer dans ces restructurations, et je vais vous montrer le déclin de ces villes de garnison et de ces métropoles militaires. Alors, j'aime bien utiliser cette expression « métropole militaire », parce que pour une ville comme Metz, pour une ville comme Vérone, ou pour Udine, ou d'autres, eh bien, le poids des infrastructures militaires est tel que finalement on est passé au stade de métropole avant que la ville en tant que telle devienne une métropole. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'infrastructures militaires, ça déborde de partout, on est déjà dans un phénomène finalement d'extension. À Metz, il faut savoir qu'au maximum, on a eu 17 quartiers militaires. Plusieurs ceintures fortifiées, les Allemands n'ont pas terminé, qu'on a réutilisé, hein, aujourd'hui, les ceintures fortifiées, même si on annonce qu'elles sont en vente, personne ne veut les acheter. Hein. On a testé, c'est très difficile. Donc voilà les dernières reconversions, hein, les emprises militaires concernées par les restructurations 2008. On avait déjà restructuré un certain nombre d'infrastructures, mais alors là, vous voyez qu'on a rajouté les choses, donc des ouvrages d'intervalle, hein, plusieurs ouvrages fortifiés, donc ça c'est des cadeaux relativement empoisonnés, une base aérienne, là aussi c'est un cadeau très empoisonné, et puis des casernes, à plus savoir qu'en faire. Hein. Alors pourquoi je dis très empoisonné? Parce que l'armée va céder, mais en l'état. Et une base aérienne, elle a servi pendant un siècle, elle a connu des bombardements, elle a connu les exercices militaires, et les sols sont pollués avec les carburants, on va trouver des pollutions pyrotechniques, et puis parfois, mauvaise surprise, notamment pour la base aérienne 128, il y a un fort qui a servi à stocker des obus à gaz pendant pratiquement un siècle. Donc là aussi, le fort est totalement contaminé, alors qu'on souhaitait l'ouvrir à la visite. Donc imaginez bien les enjeux. Alors, une métropole militaire, oui, effectivement, elle s'organise donc autour des casernes, autour du palais du gouverneur. Et je vous ai mis cette petite représentation, donc c'est la photo du milieu. Hein. C'est le palais du gouverneur militaire de Metz. Donc c'est lui qui gère toute la zone de défense nord et est. L'île dépend de Metz. Hein. Et puis, au-delà de ça, les servitudes militaires, donc ces grands ouvrages. Alors, ils ont servi longtemps à des terrains de manœuvre. Les sols sont là aussi extrêmement pollués parce qu'il y a eu des combats en 1944. Et l'armée les a laissés tels quels. C'est-à-dire qu'on n'est pas intervenu. Alors c'est une magnifique forêt, parce qu'elle a plus d'un siècle, hein, elle s'est réinstallée.
À l'origine, ces forts sont complètement nus. Hein. Il n'y a pas de végétation. La végétation, elle a occupé l'espace. Donc, ce sont de magnifiques forêts qui seraient exploitables, mais personne ne s'y risque parce qu'effectivement, c'est très pollué en termes de pollution pyrotechnique. On a eu un essai de transformation. Hein. Donc, sur ce fort, justement, hein, le fort Dieu, donc qui fait partie de l'ensemble du Mont-Saint-Quentin, donc c'est un point particulier, j'y reviendrai. Donc, on parle de ville contrainte. Effectivement, les servitudes militaires sont telles qu'on était dans un modèle de ville contrainte. Et justement, la démilitarisation lève ces contraintes. Et là, d'un seul coup, eh bien, il n'y a plus de transfert financier de l'armée et de l'État. Il n'y a plus de contraintes et de servitudes. Donc, les villes deviennent autonomes et peuvent avoir des politiques, finalement, très ambitieuses. Encore faut-il en avoir les moyens. Ça, j'y reviendrai. Alors, voilà la situation un peu figée en 2014. Voilà comment on voyait les reconversions. Donc, certains bâtiments étaient encore conservés, d'autres, on avait des projets. Alors, on a eu un projet sur la base aérienne, on a parlé d'écocité. C'est toujours pas ce qu'il y a dedans, mais c'est toujours une écocité. Des écoquartiers, des espaces de reconversion fonctionnelle liés aux loisirs ou à la détente. On avait un projet même de récupérer les 66 gros ouvrages qui ceinturent Metz pour en faire un parcours de détente et de visite. Pour l'instant, on en est à un ouvrage qui n'est pas visitable, donc c'est un peu compliqué. Et puis, quelques lieux de mémoire, donc le fort de Queuleux, qui était le lieu d'internement, un lieu d'internement des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. On a voulu en faire d'autres, et puis finalement, on se rend compte que c'est compliqué, c'est pas faisable. Une reconversion fonctionnelle, donc on a l'université de Metz à l'époque, a occupé donc le casernement Bridoux. Voilà. Et puis, donc effectivement, d'énormes emprises qui ont été libérées. Pour la ville de Metz, on est passé finalement de plus de 10 000 militaires à 3 000. Donc c'est tout à fait énorme. Pour accompagner la reconversion, eh bien, on a un contrat de renivellisation des sites de défense. Alors, il ne s'agit pas de retraiter les sites, mais il s'agit de compenser économiquement par des projets qu'on va soutenir. Donc, dans les projets qu'on a soutenus, il y avait le port de Metz, il y avait la salle des musiques actuelles, il y avait la mise en place du Métis, donc le réseau de transport en commun, le centre Pompidou, que Nancy n'a pas voulu et que Metz s'est empressé de récupérer en disant « Oh, ben, j'ai peut-être quelque chose là à faire ». Et puis, eh bien, autre déménagement du territoire, un pôle médical et hospitalier, donc qui a été installé sur l'ancien site de commandement de l'armée canadienne au temps de l'OTAN, donc le château de Mercy, donc qui devient le CHR de Mercy que vous avez là. Il vous reste le petit château qui servait à abriter ce commandement de l'armée de l'air canadienne. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on renonce à l'armée en termes d'esthétisme, eh bien, on a fait le choix de conserver, et depuis très longtemps, hein, d'essayer de préserver l'esthétisme militaire, c'est-à-dire ces bâtiments construits ou pas par l'armée, d'ailleurs. Donc, on a un très bel ensemble qui a été finalisé autour du palais du gouverneur, avec donc le magasin aux vives. C'est le premier bâtiment militaire qui a été réalisé sur Metz, hein, au XVIe siècle, le ravitaillement sur l'ancien esplanade de la citadelle. La ville de Metz l'a racheté, et puis pendant 10 ans, on a laissé les choses dans son jus, et finalement, c'est un acteur privé qui a racheté l'ensemble pour en faire un hôtel et un restaurant de luxe. Un autre élément qui a lui aussi été longtemps négligé, l'arsenal de Metz, et là, on a utilisé, on a fait appel quand même à un architecte. Donc c'est Ricardo Gofil qui s'est emparé de ce bâtiment pour en faire une salle de spectacle. Tout ça, c'est dans le même îlot. Et puis, eh bien, alors l'armée est très fière parce qu'elle dit, moi, je vous ai restauré, je vous ai rendu finalement un bâtiment qui est le plus vieux bâtiment de Metz. Hein, c'est la basilique de Saint-Pierre-aux-Nonains, c'est un bâtiment romain hein, à l'origine. C'est le plus vieux bâtiment civil de France. Et l'armée s'en est servie comme entrepôt pendant
500 ans. Voilà. Et on dit, bah, finalement, on l'a protégée. Et puis, bah, vous connaissez tous, parce que c'est la plus belle gare de France, la gare de Metz, hein, que les médecins ont en horreur. Hein, voilà, on a beaucoup... Ah non, on ne l'aimait pas, c'est la gare de Metz, une gare allemande. Mais c'est une gare qui a été pensée, conçue pour l'armée. Alors, elle est très bien pour le TGV, parce que vous avez des quais extrêmement longs pour pouvoir justement embarquer, c'était la légende, hein, 40 000 hommes en 2 heures. Voilà, c'était la capacité de la gare de Metz. C'est phénoménal, il n'y a jamais eu 40 000 soldats à Metz. Hein. Mais on est dans cet imaginaire d'un récit. Et là, effectivement, je reviens sur cette idée de ces villes de garnison où un récit existe. Et donc, effectivement, ce récit, bah, il sert la municipalité dans ses opérations de réhabilitation, de requalification, de transformation. Alors, ce bel ensemble... effectivement, on a ces bâtiments militaires qui ont été militarisés et qu'on restitue aujourd'hui au domaine civil, ben, on s'en sert pour finalement une politique urbaine et pour finalement eh bien, conserver, préserver cet esthétisme. Alors, une autre opération, et c'est celle que je vous proposerai un petit peu en analyse didactique, c'est le boulevard de Trèves. Alors, ce quartier, ben, on est à la jonction entre la ville de Metz et donc les quartiers de grands ensembles qui ont été construits avec la ceinture fortifiée, la première ceinture fortifiée entre les deux. Donc c'est une véritable verrue urbaine pendant pratiquement 40 ans. L'armée voilà, n'avait pas vraiment besoin de ces casernes, on entreposait des choses. C'est une grande artère de circulation. Alors je l'ai prise à un moment, on a pris des photos à un moment où il n'y avait pas trop de circulation donc en journée, mais il y a 40 000 voitures qui passent par jour sur cet axe. Donc c'était une verrue et voilà dans quel état elles étaient donc avant réhabilitation et voilà l'opération qui a été menée. Et cette opération, eh bien, elle a été faite entièrement par des acteurs privés. Hein, là aussi, alors la ville a appuyé hein, simplement dans le réaménagement des voiries, mais au départ c'est bien une opération privée et c'est un partenariat privé-public. La ville a finalement, eh bien. Ensuite, relever le défi. Alors, des territoires en transition, et ce sera mon troisième point, et je vous amène à Beach. Alors, c'est cette jolie ville, vous voyez, la citadelle, elle est énorme, vous ne voyez que cela. Et en premier lieu, je vous ai mis la gare, parce que la gare, eh bien, dès que l'armée a annoncé qu'elle partait, ou en partie, eh bien, la gare a fermé. C'est symptomatique, c'est-à-dire que si jamais vous voulez passer par Beach, eh bien, par la gare, c'est pas possible. Je vous rappelle que, normalement, pour déférer, pendant très longtemps, il fallait demander si l'armée avait besoin ou non de la ligne ferroviaire. Et là, l'armée n'en avait plus besoin. Donc, la SNCF a profité d'un petit accident de terrain pour dire, oulala, je ferme cette gare. Alors, j'ai évoqué cette idée de l'observatoire au milieu. Pourquoi Beach et pourquoi finalement eh bien, cette idée des transitions? Parce qu'un observatoire au milieu, sa mission, c'est de regarder les transitions du territoire, ici dans une logique un peu particulière, qui est celle de la démilitarisation. Voilà notre vue de la citadelle, hein, donc vous voyez bien l'ensemble. C'est une citadelle ruinée, c'est-à-dire qu'il reste effectivement quelques bâtiments en surface, mais qui ont été reconstruits. Elle a été fortifiée donc au XVIIIe siècle par Cormontaigne. Elle a subi le siège de 70, donc on est clairement dans un paysage de guerre. Elle a été intégrée au dispositif Maginot avec beaucoup d'observatoires puisque la frontière n'est pas très loin. Bombardée par les Américains en 44-45, il reste rien en 45. Hein. La partie des superstructures a été complètement effacée. Démilitarisée totalement en 79. C'est le géosymbole de la ville parce que il faut se rendre compte que Beach a été rendu la place à céder en 1871 après Paris et après la signature du traité de Francfort. Et on est très fiers de ça, au point que le lycée s'appelle le lycée Tessier du nom du commandant de la place forte. Hein, on est vraiment à fond dans cette idée, dans ce géosymbole. C'est un site touristique majeur pour le territoire. Le territoire de Beach, c'est 35 000 habitants, on a 70 000 visiteurs. Voilà, la ville fait 5000 habitants. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, eh bien, sur ce territoire, on a donc de nombreux casernements, hein, ceux du 4e cuirassé notamment, ceux du 16e BCP. Alors c'est un régiment qui était en Allemagne, hein,
qui devait être dissous, et finalement, Beach l'a récupéré. C'est un peu une compensation miraculeuse. Peut-être qu'à l'époque, parce que le ministre des Armées qui avait été reçu a été un peu chahuté, c'est pas trop. C'est la légende, en tout cas, à Beach. Et puis, cet immense camp militaire, plus de 3000 hectares, aujourd'hui, donc, en activité, on est à peu près sur 280 à 300 jours d'activité sur l'année. Hein, alors qu'il y a 15 ans, on disait, ben non, c'est un camp qui doit fermer. Pour vous rappeler un petit peu le poids de l'armée sur ces territoires, et c'est toujours important de le préciser, hein, pour Beach, donc la moitié de la population est margée au ministère de la Défense. 2200 habitants, 1100 personnels civils, donc familles et enfants présents. 83 millions de francs à l'époque dans les circuits économiques locaux, l'activité de manœuvre du camp. Donc au temps de la guerre froide, c'est 280 000 hommes par an qui transitaient par là. En gros, toutes les forces françaises en Allemagne venaient s'entraîner là. Donc on peut parler effectivement d'une sorte de complexe militaro-urbain. Et vous vous rendez bien compte que quand l'armée s'en va, bah, c'est assez catastrophique. Donc pourquoi un OHM ? Ben, un OHM, c'est une structure donc, qui dépend du CNRS et de l'ANR. Hein. On est sur un LABEX particulier. Pour être un OHM, il faut avoir un fait structurant, un événement fondateur et un objet focal. Donc pour nous, le fait structurant du socio-écosystème, c'est le complexe militaro-territorial. L'événement fondateur, bah, c'était le départ des deux régiments qui étaient placés, donc le 4e régiment de cuirassés, le 57e régiment d'artillerie qui a été remplacé par le 16e BCP. Et puis un objet focal, donc les conséquences du déménagement du territoire, donc l'autonomisation, on en a déjà parlé, la marginalisation, fermeture d'un certain nombre d'infrastructures, l'obsolescence des infrastructures. Donc c'est un petit peu la logique de ces observatoires. Donc le nôtre a été créé en 2015 hein, et normalement donc ça fonctionnera jusqu'en 2026 puisque le LABEX donc doit être reconduit ou pas en 2026, ça dépendra. Alors dans les travaux, et pour évoquer un petit peu les choses, bah, effectivement l'empreinte militaire elle est conséquente. Et la Imagino, je vous rappelle, elle a fonctionné jusqu'en 1967 dans sa logique, mais les ouvrages fortifiés, le dernier en date, l'ouvrage du Orvald, il n'est toujours pas totalement démilitarisé. C'est la base aérienne de Drakenbrunn, hein, on est en Alsace, on ne sait toujours pas ce qu'on va en faire. L'armée est partie en 2015, a dit, moi je ferme, et je ne sais pas ce qu'on va en faire. Enfin, on est bien d'accord. Donc si, pour vous donner une idée du côté prégnant de ces infrastructures au sein du paysage, on a fait un recensement des ouvrages. On est quasiment à 500 ouvrages pour une zone de 20 km. Et quand on regarde les photos que je vous ai mises, alors celle du bas, c'est le traitement par l'armée. Donc on est entré dans ce qu'on appelle la congélation historique. Un beau mot. En gros, j'ai muré tout. Et regardez les deux du haut, elles sont beaucoup plus intéressantes. La première est une ruine de guerre, hein, elle a été explosée par l'arrière. La seconde est une casemate en forêt. Et vous remarquerez qu'elles sont dégagées, c'est pas de la friche. C'est-à-dire que les forestiers les entretiennent. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Non seulement il y a des gens qui vont y faire de l'urbex, mais ça c'est autre chose, du rurbex, parce qu'on est en zone rurale. Mais globalement, les gens entretiennent, les propriétaires de ces ouvrages, puisque beaucoup ont été vendus, entretiennent ces casemates, même lorsqu'elles sont dans les champs. Hein, voilà, on est sur un fait du paysage. Et finalement, ça participe finalement à leur identité. On y reviendra, on a un exemple similaire que je développerai un peu plus là. Alors effectivement, c'est un bâtiment machine de guerre, souterrain, c'est un peu quelque chose de compliqué, à gérer aussi en termes de sécurité, parce que faire de l'urbex, là je vous ai mis effectivement l'ouvrage du Velchauffe, parce que il y a 2 ans, il y a eu un accident. 2 adolescents qui sont entrés, c'est un ouvrage souterrain, normalement c'est muré, mais ça veut dire aussi que derrière, eh bien, il y a eu un accident, et il y en a un qui a perdu la vie. Voilà, donc c'est assez compliqué quand même à gérer, ce qui pose la question des assurances, de la sécurisation de ces lieux. Que l'armée a dit, moi j'ai fermé, c'est plus moi. Sur la forêt indivise d'Agneau, hein, on a travaillé là-dessus. L'ONF a bien conscience qu'ils sont propriétaires
Et je peux vous dire qu'ils ont sécurisé. Et malgré la sécurisation, hein, on a mis des grilles, etc., il y a toujours des gens qui vont visiter. Et ça se visite, vous avez une certaine fréquentation. Hein. Alors, si je prends simplement sur Beach, je vais faire un peu le bilan, voilà, la gestion des héritages ruinés de la ligne Maginot, on entre dans une approche fonctionnelle mémorielle, avec une préservation, la neutralisation, ça c'est l'armée, une dégradation, une altération, ça c'est général, puisque ce sont des ouvrages en béton qui subissent l'altération du temps. Des questions d'effacement, de désaménagement, ça se pose. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Et puis, des démarches de renaturation, de restauration écosystémique. Alors, ça a un intérêt, les ouvrages Maginot, parce qu'on a des colonies de chiroptères. Et on commence à, effectivement, compter ces colonies de chiroptères. Et puis, on pourrait être dans l'effacement complet, hein, le rebuilding. On va restaurer la nature. Donc, tout ça, ce sont les questions qui se posent au sein du territoire. Alors, je vous avais proposé, déjà dépassé, mais d'aller voir, je m'arrêterai là, hein, le point C, vous le découvrirez. Les écoquartiers, vous connaissez tous, je pense, l'écoquartier Vauban à Fribourg. Alors, c'est pour ça que je vous ai choisi les écoquartiers à Landau. Landau, c'est une de ces petites villes de garnison qu'on a abandonnées en Allemagne. C'était une ville Vauban, on est dans le nord de l'Alsace. Les Alsaciens vous diront, c'est des territoires qu'on a perdus en 1815, mais c'était à nous. 35 000 habitants à peu près avant la démilitarisation française. Elle s'est faite en deux temps. Donc on avait 10 000 Français présents sur cette petite ville. Deux gros quartiers militaires, le quartier Vauban et puis le quartier Estienne-Foch. Le quartier Vauban a été abandonné en 92, en 94, on en a fait un écoquartier. Tiens, c'est bizarre, ce sont les mêmes temporalités, c'est le même récit que Fribourg, c'est assez particulier. Et forcément, on a une patrimonialisation partielle, ce sont les bâtiments violets sur le plan, tout ce qui est en bleu, ce sont les constructions qui étaient ajoutées. Donc, on a gardé les bâtiments techniques parce que c'est souvent le plus facile à préserver. De nouvelles constructions, et puis une mise en scène, on est sur du patrimoine alibi, tout simplement, on a gardé quelques emblèmes. Voilà. Le second quartier, il est né en 2015, c'est Estienne-Foch, donc c'est l'ancien casernement la 5e division blindée, pardon. Et donc voilà le quartier tel qu'il se présente aujourd'hui, les photos, elles datent de 2024. Donc on a un bel ensemble en l'espace de 5 ans qui ont été réhabilités. Donc voilà l'allure de la caserne. Et vous voyez qu'on a conservé là encore le visuel des casernes. On a vraiment cherché à préserver tout ça. Les bâtiments techniques sont toujours plus simples à réutiliser. Mais on a un bel ensemble où on a mis en scène le paysage de la caserne. Alors aujourd'hui, la ville de Landau, 10 ans après le départ du dernier régiment français, a retrouvé sa population. Elle a connu donc une baisse démographique assez importante, une crise profonde. Et 10 ans plus tard, elle a retrouvé sa population. Et le quartier est très dynamique. Il vit relativement bien cette transformation. Donc voilà un petit peu. On a ce discours où on est bien dans cette mise en scène, à la fois donc le avant-après, ces petits ensembles. On a tous les motifs de la ville durable. Alors, on ne parle plus d'éco-firtle, éco-quartier. On est sur un parc d'habitation. En gros, les normes de l'éco-quartier, ce que nous, on va mettre en avant, programme de 6e, lorsqu'on dit, dessiner la ville de demain, l'éco-quartier, les Allemands ont dépassé déjà ce stade, parce que normalement, c'est la règle. Donc, à partir de là, c'est plus remarquable, c'est un quartier d'habitation comme les autres. Alors, peut-être, sur les reterritorialisations, je prendrai ce dernier exemple, et puis je m'arrêterai là. Quand je vous ai dit c'est un paysage typique, vous avez un paysage agraire avec ces gros monolithes de béton. Je reviens en Moselle, dans ce qu'on appelle la trouée de la Sarre, pour vous montrer comment on a réhabilité finalement ce paysage de guerre et ce paysage finalement de délaissé militaire. Donc on avait un secteur qui a été fortifié tardivement pour la ligne Maginot, 1936, avec une logique d'inondation. Donc, on s'est servi d'une structure particulière, topographique. On avait des zones humides. Et vous voyez que ces étangs ont été colonisés très vite. Vous avez toute une série de,
de lotissements plus ou moins spontanés qui ont été installés dans les années 60. Donc ça, c'est une première forme, finalement, de reconversion. Des éléments patrimoniaux, alors il y en a quelques-uns, mais qui s'égrènent, peu identifiables. Hein, donc ce barrage avec ses vannes, une porte d'inondation, une digue, donc pas vraiment d'éléments, on va dire, symboliques. Je vous montre juste ici ce que c'était en réalité. Donc voilà, vous avez toute la zone d'inondation en bleu. Hein. On a inondé véritablement ce secteur. Donc pendant, et on a fait durer l'inondation de 1939, 1er septembre, jusqu'au 15-16 mai, moment où on abandonne le secteur. 15-16 juin, pardon. Moment où on abandonne le secteur. C'est-à-dire que l'inondation, elle est permanente. Alors, les gens ne l'ont pas vu. Ils sont évacués. Mais ça reste dans les mémoires. Vous voyez la densité d'infrastructures militaires et de petits bétons hein, qu'on a sur ce secteur, c'est assez remarquable. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Ben, on a fait un projet touristique autour des étangs démilitarisés. Dans les années 80, il y a un travail associatif pour mettre en scène le paysage militaire oublié. Et regardez, on vous a recréé une petite tranchée, un petit abri. Le territoire a repris les choses. Alors, on est sur la partie rurale du bassin houillé. Le bassin houillé est en train de fermer, on est en train de reconvertir, on se dit, pourquoi pas le tourisme? Donc on vous crée une démarche cheminatoire, voilà, vous prenez votre petite voiture à l'époque, et vous suivez les ouvrages de la ligne Maginot, et 2020, vous êtes sur un projet touristique cheminatoire, cette fois-ci d'écotourisme, avec une labellisation, donc la Moselle sans limite, et on vous développe eh bien, des circuits pédestres et cyclables autour, finalement, eh bien, de ces paysages de la ligne Maginot. Alors je passe, j'avais la même chose sur le Westphal, avec une démarche un peu intéressante, effectivement, sur celui-ci, mais je vous laisserai découvrir. Tout ça pour revenir finalement sur un peu de conceptuel. On a un temps de construction du territoire militaire fonctionnel qui est finalement de ce que je vous ai montré, à peu près 2 siècles. On a une disruption, c'est-à-dire une rupture. En gros, les modèles qu'on a construits ne sont plus adaptés. Il faut passer à autre chose. Donc, c'est le temps du déménagement et du désaménagement du territoire. Et puis, on a un temps particulier, un temps de réaction pour, finalement, les populations face à des délaissés militaires. Et puis, ben, il y a un temps de récupération ou de réajustement qui traduit, eh bien, soit on laisse cet héritage, tant pis, il va s'en ruiner. Soit on va le recycler, soit on va s'en servir comme ressource. Et dans la ressource, eh bien, il y a l'idée même de la patrimonialisation. Et là, c'est la transposition directe. Reste après. Voilà, merci de votre attention. J'ai débordé. Thank you.